Ça fait plaisir, hein. Et oui, maintenant il y a un générique d'intro sur The Big Game of Ski, donc tous les jours à 19h, je te garantis que cette musique, tu vas la connaître. Bonne année donc, je sais pas pourquoi je dis ça, probablement parce que on est en mode string gueule de bois, c'est-à-dire entre la grosse fête de décembre et l'autre grosse fête de décembre, mais plutôt vers la fin. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais complètement zappé de vous chroniquer un petit shmup tout plein de pixels qui s'appelle Graze Counter. Où je l'ai foutu? Ah, le voilà. Alors, Graze Counter est sorti il n'y a pas très très longtemps, malgré son apparence ultra simpliste. Quand je dis du gros pixel, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors, ce qu'on va faire... Bon, on va directement foncer dans le titre parce que je pense que c'est un truc qui va ravir les fans de petites sorcières et puis vous savez tous ces autres trucs qui sont plein de boulettes dans tous les sens, qui se déplacent pas très très vite mais qui ont tendance à être sérieusement envahissantes. Graze Counter, on arrive, j'enlève ta petite image mon bichounos. Oui, on va y aller calmement aujourd'hui parce que vous comprenez, quand je dis string gueule de bois, je n'affabule pas, mais alors pas du tout. Où est changé mon Graze Counter? Le voili, le voilà. Alors pour les gens qui voudraient s'y essayer, la bonne nouvelle, c'est qu'une démo est disponible sur Steam. Et je vous invite à jeter un petit œil dessus, un coup de pad. Et puis vous allez vite voir si ça vous plaît ou pas, sachant que la démo n'est pas très très longue. C'est celle que je vous fais voir aujourd'hui. Oui, la régie, le fell? Non. Alors, princesse Choupinette et princesse Choupinette s'en vont dans l'espace pour péter la gueule aux méchants. Ça va donner quoi? Bouf, on va voir tout de suite ensemble, j'ai pas essayé le jeu donc je sais pas trop à quoi m'attendre. J'aurais bien aimé savoir ce que j'ai comme tir, mais bon. Non, non. Sécurité avant tout les amis, vous connaissez. Auto-shield. Ouais. Alors, mon tir principal, slow-mo, je suis sûr que c'est pas mappé comme ça, je sais pas pourquoi. Attends, je réfléchis, man. Contre-attaque, tir, ça me bat ça. Break, slow-mo, ok. Ça fait beaucoup de commandes hein, pour des petites sorcières et un petit vaisseau et un stream de la gueule de bois, je le rappelle. Ouais non c'est... Hein? Tranquille? Tranquille. D'accord, quand on leech les boulettes, on monte son graze. Et quand on tire le graze, ça fait très très mal. L'attaque convenue. Avec une contre-attaque, les épaules apparaissent. Et c'est super. D'accord. Donc les gens qui veulent faire du score, je pense qu'ils vont s'éclater. Et donc, en récupérant des étoiles, eh bien, c'est pas uniquement du bonus et des points qu'on accumule, c'est aussi ce méga tir break de la mort qui tue ultime et qui est capable de donner la fessée même à des vaisseaux plus gros que l'Enterprise.
Ok. Bon, je pense que je vais pas exploiter le dixième des stratégies de jeu de ce qui m'est proposé, mais mon intention est saine, car, une fois de plus, je vais éradiquer le mal de l'espace. Avec une foi qui prêterait à sourire tellement elle est naïve. Fire! Alors, hein... C'est pas très pratique, le bouton pour ralentir qui est sur la touche C. Je sais pas ce que j'ai pris comme bonus. Je... Niveau visibilité, c'est un poil... Ouais, je m'éloigne du micro. Oui, je m'éloigne du micro aussi, du coup. Ouais, c'est normal. Alors, pour l'instant, on n'est pas dans le mode « Salut, la vivacité va être ton arme ultime pour survivre. » J'essaye mon counter un jour. Allez. Ça n'a pas marché. Allô les studios. Les touches sont inversées. Je peux pas savoir. Je suis pas très bon dans ces jeux-là, moi je crois. Bon, peut-être qu'un jour on en sera même persuadé. Ouh là, super méchant. Alors, moi, ce qui me fait beaucoup rire dans ces jeux-là, en fait, c'est pas le jeu en lui-même. Ça, tout le monde l'aura compris. C'est la musique. Shield, ça me plairait bien. Ah, ce n'était pas un vrai boss. Je vais souffrir maintenant. Oh là là. Le scénario. Let's Tatan. Alors pour les gens qui aiment bien le gros pixel, ça va être éclate. Hein. Oui, je focus. Je rappelle que vous êtes dans un stream gueule de bois. Et que mes efforts sont nombreux et plein de bonnes intentions pour... Oh, le coup de sifflet. Pour vous faire voir un axe du jeu. Alors la jauge break est pas si festoche à retenir. La démo va-t-elle me laisser en rade ici? Vous le saurez tout de suite après le flash météo qui annonce des tempêtes de bananes à Chamonix. Eh oui, la démo m'a planté. Mais bon, on a une bonne idée du jeu que c'est. Le principe à la... Tau, moi je dis. Et donc, c'est des boulettes très longues, très nombreuses, du slalom. C'est un style de shmup, on aime pas, ça c'est une question de goût. Si c'est votre catégorie, foncez, le jeu a l'air vraiment sympatoche. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière la démo, s'il y a beaucoup de tableaux, s'il y a beaucoup de boss, s'il y a beaucoup de choses à explorer, ça c'est la grande inconnue, c'est pas un test complet du jeu que je vous fais, c'est juste une mise en bouche. De toute manière, je vous le rappelle, la démo est disponible sur Steam, vous pouvez aller la télécharger et l'essayer à n'importe quel moment. Sur ce, je vous laisse avec les deux playlists habituelles, la généraliste, celle des shmups et une en bonus parce que je suis de très très bonne humeur et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour célébrer ce nouveau générique d'intro avec moi. À demain, 19h, avec moi mal à la tête.